Bonjour, bienvenue dans After Sunday pour le débrief de la 11e course de cette saison 2022 de MotoGP. Ça s'est passé à Assen ce week-end. Margot, tu es avec nous ce soir, salut. Bonjour, bonjour. Ça va, tout va bien ? Tout va bien, très bien, merci. On est avec Eric Sélis aussi, salut Eric. Salut David, salut Margot. Passé un bon week-end ? Impeccable, à la maison, devant l'écran et devant la télé. Alors, on avait des envoyés spéciaux, After Sunday avait ses envoyés spéciaux à Assen, Michel Turcot et Thomas Morsellino. Eh bien, ils y sont toujours à Assen, ils devaient être avec nous sur ce plateau. Il y a beaucoup de problèmes à l'aéroport Schiphol de Amsterdam et Michel et Thomas Morsellino sont encore là-bas. Michel, salut. Voilà, Michel nous entend, il va activer son micro et il va nous répondre. Salut Michel, est-ce que tu es prêt pour le débrief ? Ouais, il va être prêt Michel. Dans quelques instants, le temps pour nous de vous annoncer qu'on aura un autre invité exceptionnel parce que Michel est encore à Amsterdam. Éric Mahé, le manager de Fabio Quartararo, lui a eu le temps de rentrer au bercail. Il est avec nous également, un invité exceptionnel. Salut Éric. Bonjour, bonjour à tous. Tu nous entends bien, toi ? Oui, très bien. Ça n'a pas l'air d'être le cas de Michel. Non. Michel a une journée technique très courte. Les gens sont mieux organisés que d'autres. Ils n'ont pas les mêmes avantages. Et mieux équipés techniquement aussi, ouais. Peut-être. En tout cas, on va le retrouver. Michel, Thomas Morsellino n'est pas loin de Michel Turcot, mais il a pris le temps de nous... enregistrer ces chroniques quelques heures avant ce débrief MotoGP. Oui, il faut s'organiser. Donc, on va refaire un test micro avec ce cher Michel Turcot. Salut Michel, est-ce que tu nous entends cette fois ? Non. Non, il ne nous entend pas. Alors, on va commencer avec toi, Eric, puisque tu es présent et tu nous entends. C'était un week-end très particulier à Assen, puisque c'est le week-end qui marque la trêve estivale, juste après Assen. Jusqu'ici, Fabio Quartararo, ton poulain, avait fait un véritable sans-faute. C'était même le seul à surnager. Et patatras, ce week-end, il est tombé. Ça arrive. Qu'est-ce que tu en déduis, toi ? Bah déjà, quand on a 34 points d'avance, c'est beaucoup moins grave que si on en a 34 de retard. Après, je ne parle pas de gaspillage, mais ce n'est pas très grave. Fabio tombe très rarement. Ce n'est pas un gros problème. En fait, il a démarré la saison un peu mollement pour différentes raisons. Et à Austin, il y a eu un peu un reset. Après, il a gagné au Portugal. Etc. P2, P4, P1, P1, P1. Là, il y a une chute. C'est pas fondamental. C'est pas fondamental. On l'a vu grimacer, Fabio, sous son casque. Est-ce que c'était une douleur passagère ou il y a des raisons de s'inquiéter ? Mais bon, il a le temps de se soigner. Non, sur la deuxième chute, il a pris la moto sur le dos. Donc, il était un peu chiffonné du dos. Et à froid, il reste une mini douleur à l'épaule gauche qui, pour moi, n'est qu'un hématome. Et il va passer 2-3 examens supplémentaires et voilà. D'accord. Alors, cette manœuvre, cette double chute, ça arrive. Est-ce que la deuxième chute, Eric, d'après ce que tu sais toi, est-ce que la deuxième chute est due à la première ou est-ce qu'il forçait pour essayer de marquer des points ? Non, il avait déjà des tours de retard et s'était arrêté au box. Donc non, c'est un concours de circonstances malheureux. Si je dois résumer ça, il y a la première chute qui est la vraie chute, celle qui coûte très cher. Après, il repart parce que c'est son travail. Il a des petits problèmes techniques. Quand il roule, il rentre au garage. À ce moment-là, il peut pleuvoir. Donc le team le renvoie en piste, ce qui est très logique. Parce que même s'il a 2 tours de retard, et s'il n'y a que 13 mecs à l'arrivée, il marque 3 points. Donc le team a fait son travail parfaitement. Après, la deuxième chute, c'est un mélange de traction control problème. Il a ralenti avant de rentrer au stand. Il est rentré 30 secondes au stand. Les pneus étaient trop froids. Il y a plusieurs paramètres, mais je dirais que la deuxième chute, on s'en fout un peu, vu qu'il n'est pas blessé. Et elle n'a rien changé au scénario du week-end. Alors, elle n'a rien changé au scénario du week-end. Elle n'a rien changé non plus au classement du championnat du monde. Tu l'as dit, il avait une marge assez confortable. Il l'a toujours. Le bilan de la mi-saison, pour toi, Eric, j'imagine qu'il est positif.
Excuse-moi David, mais je t'entends plus. Il semble que ça aille mieux pour Michel et moins bien pour toi. C'est peut-être Michel qui nous interfère. Ouais, il nous parasite, je crois. Tu m'as entendu. Michel, tu nous entends pas. Non, il n'entend pas. Non, il n'entend pas. Il a des yeux. Ça y est, ah, j'ai trouvé. Ah, bravo Michel. C'est bon. Michel a trouvé le bouton, c'est formidable. La journée compliquée là. Bah oui, je te crois. J'aimerais pas être à ta place. Mais ça nous donne l'occasion de vous réunir tous les deux. Ça a été bien finalement, puisque Michel, toi, tu étais sur place à Assen. Est-ce que on a demandé à Eric le bilan du week-end d'Assen pour Fabio. Est-ce que toi, tu as des questions plus générales à poser à Eric ou plus détaillées? Après, j'ai pas entendu malheureusement mon micro, mes écouteurs ne fonctionnaient pas, donc je ne sais pas ce que vous avez dit, donc je ne voudrais pas faire répéter Eric, mais moi, le connaissant un petit peu, ce que j'aurais envie de lui demander, c'est qu'est-ce qu'il retient de positif finalement dans la faute qu'a commise Fabio hier. Bon, sincèrement, si je vous dis qu'il y a du positif, je suis un menteur. Dans une situation, il n'y a rien de positif. Maintenant, c'est des choses qui peuvent arriver. Et Fabio, ça ne lui arrive pas souvent. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on s'en foute complètement. Il avait 34 points de retard d'avance. Il n'en a plus que 21, ce n'est pas grave. Et même, je suis très content qu'Aleix ait pu finir sa course. Il a été victime de la mini-faute de Fabio. Il a pu finir sa course et revenir au championnat. Mais pour lui, de ce côté-là, la morale est juste. Alors moi, je vais te poser... Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, dans cette erreur inhabituelle de Fabio, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de... il a évidemment dit non à ça, on en a parlé hier soir, mais un peu trop de décontraction avant les vacances, la dernière course, tout qui rigolait depuis deux Grands Prix. Est-ce qu'il a abordé ce rendez-vous peut-être un petit peu trop en confiance, plus que trop décontracté? Oui, voilà. C'est la nuance que j'allais faire. C'est-à-dire... sincèrement, déjà, la faute, elle est microscopique. Donc, on ne peut pas parler d'une grave boulette. C'est-à-dire, ça pouvait passer, ça n'est pas passé. Maintenant, trop décontracté, non. Trop en confiance, j'en suis pas sûr non plus. Effectivement, il sortait d'une série de courses brillantes. Est-ce qu'il se laissait sentir d'en faire un peu plus que d'habitude ou pas, j'en sais rien. Après, je peux vous informer techniquement sur la raison de cette chute. C'est-à-dire que, bon, déjà, moi, j'ai été surpris qu'elle advienne, parce que si Pecco était en train de partir, on peut faire ce genre de faute. C'est-à-dire, on est bloqué derrière un mec, on voit le leader de la course qui s'échappe, on peut se précipiter. Là, ce n'était pas le cas, c'était plutôt Pecco et Aleix qui... pardon, c'était plutôt Fabio et Aleix qui remontaient sur Pecco à ce moment-là de la course. Et j'en ai parlé avec Fabio. En fait, le tour d'avant, il s'en est voulu un peu d'avoir raté une opportunité de dépassement à cet endroit. C'est-à-dire, il aurait pu y aller, ça serait passé, et il ne l'a pas fait. Et le tour d'après, donc, il avait ça en tête, sauf qu'Aleix est sorti différemment du droit avant le changement de direction à gauche, que Fabio était un mètre ou deux plus en arrière que le tour d'avant, et finalement, ça n'est pas passé. Donc c'est très léger tout ça, c'est toujours du pouillem. Alors Eric, j'ai rien à dire sur cette chute. Ouais, alors le Fabio a été sanctionné à la suite de cette chute. Nous ici tous autour de cette table, on comprend pas la décision des commissaires de course qui sanctionne Fabio, parce que Nakagami s'est raté également, il a fauché trois pilotes lors du Grand Prix précédent, il n'a pas été sanctionné. Fabio est sanctionné sur cette action qui nous paraît être un fait de course également. Est-ce que tu as une opinion différente? Fabio s'en est expliqué, il était un peu énervé sur un commentaire qu'il a fait sur Instagram. C'est toujours très délicat. En bref, si on compare ça à la police, ils verbalisent pas assez une fois, ils verbalisent trop juste après. Sincèrement, j'ai pas envie de trop commenter ça. Ce que j'avais envie de dire, c'est que moi, faut lister un peu les paramètres. Oui, Fabio a perdu le contrôle de sa moto, certes. Il a emmené Aleix Espargaró dans les graviers. Aleix Espargaró n'est pas tombé.
Deux, si on parle, en ce moment, on parle beaucoup de sécurité, de dangerosité. Fabio, il fait un déplacement à un endroit où personne ne peut mourir. Donc, je ne vois pas où est la dangerosité. Et après, je trouve que dans ce genre de situation, on a le temps de les juger à froid, puisque la pénalité est arrivée après la fin de la course. Je pense qu'il faut introduire une notion de justice sportive. C'est-à-dire, si Fabio était ressorti du bac à sable et Aleix non, le pénaliser, j'aurais trouvé ça plus adapté. Là, il y en a un qui finit pas sa course, qui prend une deuxième chute, et il y a l'autre qui finit quatrième. Donc, mon opinion, c'est que c'est pas adapté. La loi et l'esprit de la loi ne sont pas en accord tout à fait. Eric, nous, on ne comprend pas objectivement la décision non plus des commissaires de piste. Michel, tu as peut-être une autre question, si tu es toujours connecté. Je suis toujours connecté. Enfin, au-delà de je comprends la prudence de ton commentaire, Eric, mais ce qui est pour moi incohérent, c'est ce que rappelaient David, Eric et Margot, c'est qu'il y a eu des précédents. Nakagami en Catalogne fait tomber Bagnaia qui est devant lui. Il blesse aussi Rins, qu'il avait déjà gêné au Mugello. On a eu Pecco qui a fait tomber Martin, si je ne dis pas de bêtises, en début de saison. Miller, Oliveira, enfin bref, il y a eu d'autres incidents comme ça. Sanctionner Fabio, en plus, dans les conditions que tu viens de dire, sachant qu'en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre d'erreur, voilà, pas coutumier du fait, qui n'a pas un pilotage dangereux, c'est incompréhensible. C'est juste incompréhensible. Ah, si tu veux, bon, voilà. Spectateur des Grands Prix, pas manager de Quartararo, je te réponds que c'est complètement débile. Voilà. C'est pas grave. Ouais. Bah, on est spectateur. Ouais. On trouve que c'est complètement débile, nous aussi. Après, voilà. ce qui est dommageable, c'est que ça manque vraiment de cohérence, en fait, dans les sanctions. Parce que même pour repartir sur Assen, Miller gêne Vignales dans un tour vite. Il prend un long lap. On se rappelle qu'au Grand Prix de France, Johan avait gêné Paul Espargaro et il prend trois places sur la grille. Donc, pour la même infraction, entre guillemets, il n'y a plus de cohérence et c'est là un peu où on s'y perd. Et que finalement, ce que disait Eric est vrai aussi, c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans l'échelle des sanctions, ou en tout cas, il n'y a pas quelque chose de clairement défini. On a l'impression que c'est un petit peu comme ça, au bonheur la chance. Quoi. Selon l'humeur des commissaires, c'est inconstant. Est-ce que c'est le cas, Margot, en Moto 2, Moto 3, est-ce que les décisions sont constantes ? Plus, parce que en moto 3, par contre, en moto 2, moto 3, en moto 2, moto 3, je les trouve beaucoup plus réglo. Et là, en fait, j'ai l'impression que ce qui se passe en moto GP, c'est exactement ce qu'on a pu voir l'année dernière en F1. J'ai l'impression qu'on a la même direction de course, et incohérente, et qui, bon, c'est pas au même point, mais c'est pas normal, surtout à un tel niveau, en fait. Moto 3, c'est plus strict, c'est plus régulier. Tout à fait. Bah, on s'était prononcé en faveur de la direction de course pour qui avait jugé l'accident de Nakagami comme un incident de course. On en avait témoigné sur notre partenaire Paddock GP qu'on écoutera tout à l'heure. Et bien là, on trouve que c'est aussi un incident de course. L'incident, pour nous, il est clos. On passe à une autre question pour toi, Eric, et ensuite on passera au débrief de Michel. Michel, tu as une autre question pour Eric ? Non, mais on reparlera après de... Enfin, moi, ce que je voulais rajouter, c'est un petit peu ce qu'avait dit par rapport à l'excès de confiance qu'on a souligné, enfin, qu'on a envisagé. C'est qu'Aleix, hier, a été bien évidemment très mesuré dans ses commentaires. On a vu qu'il a... Voilà, il n'en veut pas à Fabio, il sait que c'est un pilote qui est propre, il s'entend bien tous les deux. Mais il a dit qu'il a peut-être sous-évalué mon niveau. En parlant de l'excès de confiance de Fabio, en disant que voilà, moi, peut-être qu'on n'a tellement pas l'habitude de voir Aleix piloter à ce niveau-là, qu'il s'est senti vraiment beaucoup plus fort que lui, alors qu'il dit qu'aujourd'hui, moi, j'ai une moto qui me permet aussi, comme la Yamaha, de tenir vraiment, de serrer dans les virages, de garder la corde. Et peut-être que Fabio a mal analysé le comportement que je pouvais avoir dans ce virage-là. Quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Eric ? Voilà, on est vraiment dans le détail. Déjà une. Après Aleix, avant la course, il disait il faut surtout pas laisser partir Fabio. Donc il cultive aussi cette ambiance de supériorité de Fabio. Après, on est dans les déclarations de médias, dans des choses qui font partie du travail. Je pense qu'Aleix était bien content.
au fond de lui-même que Fabio marque 0 point. Et c'est normal. On aurait été content de la même manière. On joue un championnat, c'est la guerre. Je trouve tout ça très normal. Et après, ce qui s'est passé, c'est passé. D'ailleurs, c'est marrant. Quelque chose que je trouve dommageable, au-delà de Fabio, au-delà de cette course était belle. C'était une belle course. À l'arrivée de la course, on parle que de quoi ? Des films Stewart, machin ? Non. Il y a aussi un effet dévastateur de ce genre de système. C'est-à-dire qu'à la fin de la course, on parle plus du problème des Stewart, du problème de la pénalité, que du spectacle qui a été offert en piste. Je pense qu'il faudrait vraiment que tous les acteurs se réunissent, la Dorna, l'IRTA, la FIM, et qu'ils essayent de consolider un système qui fonctionne mieux. Merci Eric pour ces paroles d'arbitre de cette course. Et effectivement, la course était belle. Et on va y revenir tout de suite avec le débrief de Michel Turcot. Eric, on va te remercier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour tes réactions. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Tu prévois des vacances, toi ? Ouais, j'ai un peu de taf. Peut-être je vais à Donington Superbike pour Loris et Jules. Non, les vacances sont en plus... C'est pas trop mon truc. Le bilan de ton poulain était bon, en tout cas, sur la première partie de saison. Oui, non, belle réaction. Il apprend juste avant les tests d'hiver qu'il va continuer à galérer en moteur. C'est normal qu'il soit un peu affecté par ça. Austin, il réagit. Portimao, il gagne. Non, c'est magnifique ce que fait Furio. Ouais, et puis tu nous as dit que... Et tu nous as dit que ses qualités, il les développe course après course, avant cette émission. Oui, pour moi, une des plus belles, c'est Mugello. Tout le monde le voyait mort à Mugello. Il s'est battu comme un lion, il fait P2, il ramène 20 points. Et je pense que sur l'aspect psychologique, pour tous les mecs qui ont des avions de chasse, ça a dû leur remettre un coup au moral, sincèrement. Parce que pour moi, la plus dure course qu'a réalisé Fabio, c'est Mugello. Merci Eric, vous avez bien mérité un peu de repos, Fabio, toi et toute l'équipe Yamaha. Merci d'avoir été avec nous. Michel, le mot de la fin pour Eric ? Non, mais je pensais qu'Eric resterait avec nous. Alors, comme il s'en va, je vais quand même lui poser une dernière question. Je peux rester pas loin de l'ordi. Hein. Si j'entends qu'on me parle, je reviens. Très bien. Reste avec nous pour le débrief de Michel, parce qu'il va raconter la beauté de la course dans quelques minutes, tu vas voir. OK. Alors, Michel, une petite question à Eric. Ah non, mais je voulais parler un petit peu de moteur Eric, puisque voilà, on sait que vous avez obtenu des garanties. On sait maintenant que Yamaha a recruté Luca Marmorini, un ancien motoriste de Ferrari. Donc moi, j'aimerais quand même que tu nous dises un petit peu voilà, qu'est-ce qui est en cours dans les travaux, qu'est-ce qu'on peut attendre et c'est quoi le planning. Tu peux un peu nous en dire un petit peu. Oui, ça a été le gros des discussions hivernales. En bref, on a commencé à négocier en novembre, d'un coup, mauvaise nouvelle. Et de là, obligation d'envisager toutes les solutions. Et en parallèle de ça, on a travaillé sur comprendre ce qu'avait l'intention de mettre en place Yamaha Motor Corporation. Et on les a aussi un peu influencés. Et la photo, juste avant de signer le contrat, c'est que la photo était prometteuse. Fabio a essayé une version hybride à Barcelone qui était excellente. Donc moi, je suis très content. Sincèrement, le but a toujours été de rester chez Yamaha. On s'est posé les questions si on allait pouvoir être multiple champion du monde en restant chez Yamaha. On a eu des réponses encourageantes. Et aujourd'hui, le premier test à Barcelone, c'était génial parce que ces dernières années, à chaque fois qu'on essayait des choses, ce n'était pas flagrant du tout. Et là, ça l'a été. Donc c'est prometteur. Après, il n'y a pas de science exacte dans ce genre de développement, mais sincèrement, on est content et confiant. Merci Eric pour ces réponses. On passe maintenant au débrief de Michel Turcot. Tu peux rester avec nous, pas loin de l'écran. «
Fabio Quartararo en panne, donc Michel, l'autre Français, Johan Zarco, a aussi connu des difficultés. Oui, voilà, on avait eu un doublé français en Allemagne, et là, effectivement, on a eu un Grand Prix d'Assen qui était un peu à l'opposé de ce qu'on a connu une semaine plus tôt. Première erreur de Fabio, et puis une course décevante de Johan, hein, qui... chute mise à part, il signe aux Pays-Bas son plus mauvais résultat de la saison. Pas dans le coup, des problèmes d'une moto qui était trop nerveuse pour lui à haute vitesse, et on sait quand Johan se fait secouer, ça va pas, et à Seine, il faut vraiment être en confiance pour aller vite. Un Grand Prix décevant. On imaginait, enfin certains rêvaient d'une première victoire de Johan là-bas après l'enchaînement de 5e, 4e, 3e et 2e place. Bon, les chiffres n'ont pas donné le résultat espéré. Mais voilà, il va avoir du grain à moudre aussi, lui, pendant la trêve estivale, continuer de travailler. Jean-Michel Bay était présent ce week-end aux Pays-Bas, donc je pense qu'il a aussi, lui, eu de la matière à analyser, à réfléchir pour trouver des pistes, enfin améliorer les pistes de travail qui sont déjà sur la table dans leur tandem. Les pilotes Aprilia ont fait une superbe course. Ils confirment Aleix Espargaró et surtout Maverick Viñales, premier podium avec la marque italienne. Oui, alors avant de parler, alors c'est vrai que voilà, Viñales, il y avait un petit clin d'œil, hein, puisqu'on se souvient qu'il y a un an, au Grand Prix des Pays-Bas, il avait annoncé sa rupture avec Yamaha. À ce moment-là, il avait annoncé qu'il ne ferait pas sa deuxième saison. On sait qu'après en Autriche, c'est ce qui s'est passé, l'aventure s'est arrêtée en cours de route. Mais voilà, à Assen, l'an dernier, il avait pris la décision de quitter Yamaha en fin d'année. Et là, voilà, un an plus tard, il monte sur ce premier podium. Il a énormément remercié Massimo Rivola et Romano Albesiano de leur faire confiance, de continuer à lui faire confiance, puisqu'ils ont, voilà, ils ont prolongé pour 2 années. C'était assez sympa de voir cette course. Mais bon, bien évidemment, même s'il a devancé son coéquipier, c'est encore Aleix Espargaró qui a fait énorme impression hier. Sa remontée de la 15e à la 4e place, et surtout ses dépassements à tous les tours. Et ce dernier dépassement au freinage de la dernière chicane où il passe Binder et Miller, c'était juste incroyable, quoi. Il était vraiment un ton au-dessus. Donc c'est vrai que c'est... Alors à l'arrivée, je pense qu'il était pas mécontent d'avoir récupéré bien plus de points. Il a dit, hein, j'ai plus récupéré de points aujourd'hui sur Fabio en marquant 13 points et Fabio n'en marquant pas, que si j'avais gagné, Fabio aurait fini deuxième, donc j'aurais repris que 5 points. Donc finalement, il en reprend plus, même s'il a dit, voilà, j'aurais quand même préféré ajouter une deuxième victoire à mon palmarès parce que j'en ai pas beaucoup et ça m'aurait fait plaisir. Mais voilà, mathématiquement parlant, il fait une bonne opération. Ce qui souligne aussi l'absurdité de la pénalité qui a été attribuée à Fabio hier soir. Eric, est-ce que tu le voyais revenir jusqu'à la 4e place à Aleix? Aleix Espargaró, quand il ressort du bac à gravier, il est loin. Après, on l'a vu aux essais, les Aprilia ont toujours été devant, il y avait un certain rythme, elles ont toujours été constantes. Il avait le rythme, et je pense qu'on en a un peu discuté aussi avec Michel avant l'émission. Je pense que le fait marquant de la course, c'est effectivement la chute de Fabio, qui implique tout un tas de conséquences, parce que vu le rythme qu'il avait, Aleix, est-ce qu'il n'aurait pas pu inquiéter Bagnaia? Est-ce que Bagnaia aurait supporté la pression? Ça soulève tout un tas de questions, et je pense que là-dessus, Michel, ça sera évidemment des questions sans réponse, mais on peut s'attendre très prochainement. Il ne faut pas oublier qu'à Silverstone, Aprilia avait fait son premier podium, donc on va revenir à Silverstone après la trêve, donc je pense qu'Aleix, il va être remonté comme une pendule. Alors, ce sont des machines italiennes, 3e et 4e, les Aprilia, mais devant, ce sont les Ducati, Margot, avec un pilote venu du Moto2, et ça nous... est-ce que ça peut être de nature à faire revenir les décideurs sur leur décision de laisser les pilotes Moto2 l'année prochaine chez eux? Ce serait bien que non, mais au final, il n'y a pas trop de place maintenant, comme on le disait aussi avant, c'est qu'il n'y a plus trop de place là en MotoGP, il y a 2 motos en moins. Les guidons sont plutôt pris, et donc Ayugura peut-être du coup chez LCR avec Alex Rins, mais
pour l'instant, c'est un peu compliqué de les voir remonter quand même. Michel, cette deuxième place de Marco Bezzecchi, puisqu'il s'agit de lui, hein, le pilote monté de la Moto2, ça fait du bien à la catégorie ? Oui, bien sûr que ça fait du bien. Ça fait, voilà, ça fait aussi plaisir pour l'équipe de VR46. Hein. C'est la 46e victoire italienne. Bon, je ne vais pas dévoiler tous les chiffres de qu'on y revient après. Il y avait un joli clin d'œil. Marco Bezzecchi confirme qu'il est dans le coup. On voit aujourd'hui que tous les rookies avec les Ducati s'en tirent bien. Alors c'est vrai que du coup ça rend un petit peu illisible le niveau de ce championnat, hein, puisqu'on a, on voit même Fabio Di Giannantonio qui était bon, qu'on n'attendait pas forcément dans le coup avec les motos GP. On se rend compte que ces motos finalement, alors c'est très difficile d'aller chercher les derniers dixièmes et les premières places, mais globalement on a vite des pilotes qui même si en Moto2 n'ont pas été transcendants, sont dans le coup en MotoGP. Et ça c'est sympa. En tout cas, voilà, Ducati prouve que cette moto, elle fonctionne avec tous ses pilotes. Mais de notre côté, c'est vrai qu'ils se cannibalisent un peu les uns les autres, quoi. Et l'inconstance de Bagnaia risque d'être coûteuse pour Ducati en fin de saison, quoi. Parce qu'aujourd'hui, clairement, même si Pecco a gagné hier, le retard qu'il a accumulé est considérable, quoi. Et à moins d'un gros coup de théâtre, le titre devrait se jouer entre Fabio et Aleix Espargaró. Et oui, une demi-heure d'émission avant qu'on parle de la victoire de Pecco Bagnaia. Voilà, c'est l'effet Éric Mahé, c'est l'effet, comme l'a dit justement Éric Mahé, d'un accrochage, d'une sanction qui fait polémique. Et effectivement, c'est une Ducati qui a gagné, c'est Pecco Bagnaia qui a gagné. Tu voulais poser une question, Éric ? Non, c'est la réflexion de Michel est assez amusante, parce que finalement, quand il dit qu'il y a certains pilotes de Moto2 qui n'étaient pas forcément très en vue, qui montent en MotoGP, mais si on se souvient bien du parcours de Fabio... Quels sont les observateurs qui croyaient vraiment en Fabio, et il y en avait beaucoup qui disaient mais c'est du grand n'importe quoi, il va jamais y arriver, il a gagné qu'une seule course en Moto2. Et on voit bien que justement, pour revenir sur ce que disait Michel, quand la moto est vraiment saine et bonne, ça peut révéler des pilotes qu'on n'avait pas forcément, auxquels on n'avait pas forcément pensé. Ça, c'est le flair d'Éric Mahé, qui, lui, avait vu que Fabio avait le potentiel et il l'avait analysé sur quelques courses avant cette victoire à Barcelone. Après, il faut pouvoir arriver à décider les décideurs. Ça aussi, c'est fort. Exactement. Ça aussi, c'est fort. Alors, s'il nous écoute, il peut réagir, hein, Éric, si tu es toujours dans le coin. Ouais, je suis là. Ouais. À quel moment tu t'es dit que Fabio pouvait accéder au MotoGP ? Parce que c'est une grande question. Là, aujourd'hui, Margot nous parle de Ayogura. Qu'est-ce qui fait que les décideurs, comme dit Éric, voient qu'un pilote a le potentiel ? Ça se joue sur les datas ? C'est où ? C'est quoi ? Non, déjà, pour répondre à Nakagami et Ogura, il faut un Japonais. Ouais. Celui-ci, ça fait longtemps qu'il roule et on s'impatiente un peu à son sujet. Ouais. Donc, on va en essayer un autre. Ça, c'est pour le volet Nakagami Ogura. Après, Fabio, qu'on puisse avoir des Fabio souvent, ça, c'est faux. Quand est-ce que la détection fut possible ? Ouais. En fait, c'est relativement cartésien. C'est-à-dire que Fabio, le talent qu'il a aujourd'hui, il l'a toujours eu. Il l'a toujours eu. Moi, je l'ai vu rouler en 2015 à Doha. Son premier Grand Prix Moto 3, j'ai vu un mec avec un talent exceptionnel. Mais j'ai vu ça comme un spectateur. Et puis après, ils ont eu des problèmes avec leur passé, Étienne et Fabio. Ils m'ont demandé un coup de main pour régler le passé. Et moi, quand je commence Fabio, je ne suis pas sûr qu'il va y arriver. On ne peut jamais être sûr qu'un mec va y arriver. Maintenant, on peut être sûr qu'il a ce qu'il faut pour y arriver, ce qui n'est pas très souvent. C'est-à-dire que Fabio avait ce qu'il fallait génétiquement pour y arriver. Et après, le parcours, les opportunités, les blessures, pas les blessures, etc., etc. On ne peut jamais être sûr que quelqu'un va y arriver. On peut juste savoir qu'il peut y arriver. Mais justement, toi, tu avais cette certitude-là. Mais comment, justement, c'est pour rejoindre la question de David, comment tu arrives à faire en sorte que tes discussions avec Yamaha, avec Lynn Jarvis, font que, oui, on, entre guillemets, on tente le pari Fabio ?
Non, en fait, ça a commencé chez VDS, il y avait un projet Suzuki. Moi, j'ai senti que Fabio, dans pas longtemps, il serait prêt. Et de là, j'ai commencé à parler avec tout le monde. Donc, il y a eu cette histoire de marque VDS Suzuki qui a fait long feu. Et après le projet Petronas, normalement, il n'y avait pas de place pour Fabio. C'était prévu un débutant, Morbidelli, et un confirmé, Lorenzo Pedrosa et Tutti Quanti. Et pour moi, j'ai réussi à expliquer à Joan Stickfeld que pour moi, il devait tout décaler d'un cran. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y avait de grandes chances que Morbidelli soit Rookie of the Year. Donc, c'était le confirmé. Prenez un vrai jeune et prenez un semi-jeune. Et c'est comme ça que ça s'est fait finalement. Et j'ai été bien aidé par les performances de Fabio, donc Barcelone, Assen. Et d'un coup, Stickfeld a pu transmettre mon message aux autres décideurs. Et de là, l'affaire s'est faite. Aussi, ouais. Devant ce genre de circonstances, il faut être très humble. On n'a jamais parlé d'argent. On n'a jamais parlé de rien d'autre qu'on voulait cette moto. Voilà. Ok, c'est passionnant. C'est passionnant ce parcours et cette détection de Fabio. Ça fait rêver ce parcours. Alors, on va parler chiffres maintenant avec Thomas Morcellino qui s'impatiente à côté de Michel, mais il va intervenir. En attendant, on regarde ce qu'il nous a confié ce matin au sujet des statistiques. Eh bien, écoute, une semaine après la bévue, ou je sais pas comment on pourrait dire, la contre-performance des Honda au Sachsenring, tu sais, ils n'ont pas marqué de points, c'était une première depuis Nogaro 82. Et bien, la semaine suivante, donc hier, Yamaha, ça a été au tour de Yamaha de ne pas signer, de ne pas enregistrer un seul point. Et ça, c'est une première depuis 1994 au Grand Prix d'Allemagne, c'était à Hockenheim. Donc, pour les puristes, certains diront que les Rock Yamaha et les Haris Yamaha étaient des Yamaha. Mais en temps, ils n'étaient pas enregistrés. Elles étaient enregistrées en tant que constructeurs différents. Ce n'étaient pas des Yamaha à part entière. Donc, il faut remonter à 94 pour retrouver une telle contre-performance des Yamaha. Si on reste encore dans l'aspect historique des choses, hier, on a eu un quadruplé de machines italiennes à l'arrivée. Donc, je rappelle qu'on a eu deux Ducati avec Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, et le premier podium de Maverick Vinales, et puis la quatrième place d'Aleix Espargaró. Et donc, pour retrouver quatre machines italiennes aux quatre premières places, il fallait remonter au Grand Prix des Nations 1972 avec deux MV en tête et deux Ducati qui suivaient juste derrière. Ah oui. Et je vais redonner un autre chiffre encore historique. La première machine japonaise à l'arrivée, c'est Joan Mir en 8e position. Ouais. Et pour retrouver aucune machine japonaise sur les 7 premières places à l'arrivée d'une course en catégorie réelle, il faut remonter au Grand Prix de Yougoslavie 1969, où là, on avait à l'arrivée que des Norton, des Matchless ou des Linto, mais aucune machine japonaise à l'arrivée. Voilà. Donc là, au niveau historique, on a été servi encore hier et on voit que ça tourne, enfin que c'est compliqué pour les machines japonaises. Et alors, les italiennes, ça va mieux pour elles? Ben, écoute, oui, ça va mieux parce que on a hier enregistré une nouvelle victoire d'une Ducati, puis surtout on a un premier doublé. Mine de rien, cette année, c'est le premier doublé d'une Ducati. Enfin, ouais. Le premier doublé Ducati, pardon. On a eu quand même pas mal de victoires Ducati, mais c'est le premier doublé à arriver. Donc c'est quand même assez remarquable parce que mine de rien, elles n'ont pas encore trusté les deux premières places du podium jusqu'à hier. Vinales, c'est donc dans l'ère MotoGP depuis 2002, c'est le septième pilote à signer trois podiums avec trois marques, enfin un podium avec trois marques différentes. Donc il rejoint des pilotes comme Valentino Rossi, Andrea Dovizioso qui ont fait aussi la même chose, Loris Capirossi, Marco Melandri, Cal Crutchlow et puis Alex Barros qui ont aussi réussi à faire cette performance. Donc le seul pilote actif de la grille jusqu'à présent, c'était Andrea Dovizioso. Il est rejoint par Vinales. Et au niveau italien, tu as noté un curieux hasard de chiffres. Ah oui, effectivement, ouais. Donc comme je l'ai noté hier, avec le podium de Marco Bezzecchi, en fait, Marco Bezzecchi est devenu le 46e italien différent à figurer sur le podium en catégorie N. Ouais, pour 46, c'est le premier podium du team VR46 en MotoGP. 5 ans après la dernière victoire de Valentino Rossi sur ce même circuit à Assen.
Bah Donc voilà, le hasard des chiffres, pardon, fait bien les choses. d'accord, c'était en 2017, effectivement, la dernière Ouais. victoire de Rossi. Et tu as noté que le top 10 était de nouveau très serré. Oui. Ouais, bah, c'est maintenant, on commence à s'y faire. C'est étonnant parce qu'hier, on avait une course où on a suivi la remontée d'Aleix Espargaró, tout ça. Mais mine de rien, effectivement, on est sur un top 10, le troisième top 10 le plus serré de l'histoire en catégorie reine. On est à moins de 9 secondes à l'arrivée. Voilà. Maintenant, on s'y fait. En fait, depuis 2000, maintenant, tout le top 10, enfin, les 10 top 10 les plus serrés de l'histoire sont arrivés depuis 2018. Avant, voilà. Hier, l'avantage, c'est que le Grand Prix des Pays-Bas a exclu de la 10e place le Grand Prix d'Australie 2000, qui faisait un peu tache, entre guillemets. Maintenant, depuis 2018, on n'a que des top 10 les plus serrés de l'histoire. Voilà. D'accord, et pour finir, bah c'est la fin d'une belle série aussi, celle de l'alternance des Yamaha et des Honda. Ah, Effectivement, ouais, à Assen, bah là, on a retrouvé. En fait, c'est la deuxième. Pour faire simple, oui, depuis 2011, on avait une alternance victoire Yamaha, victoire Honda. Alors, année paire, année impaire, parce qu'il y a eu, l'absence du Grand Prix des Pays-Bas en 2000 à cause du Covid. Mais c'est surtout la deuxième victoire non Honda ou Yamaha à Assen depuis 2002 en MotoGP. La deuxième victoire, c'était Casey Stoner en 2008 sur une Ducati également. Donc, voilà. Donc encore une fois, ça ne tourne pas à l'avantage des machines japonaises. Merci, merci Thomas. Puis Merci. on te retrouve tout à l'heure pour le carnet de notes. Oui. On va retrouver Thomas dans quelques instants pour le carnet de notes. Les statistiques pour Yamaha, donc c'était pas brillant ce Grand Prix d'Assen. On a vu un ancien pilote Yamaha reprendre le guidon et c'était assez émouvant, Eric. Ouais, et quel pilote, puisque ce même week-end, il y avait le festival Off Speed à Goodwood. Et donc, on a vu Wayne Rainey reprendre le guidon de sa Yamaha, avec laquelle il avait été champion du monde. Pardon. Et en plus, Ah, c'est l'émotion. non, c'est le chat dans la gorge. Ça Voilà. Et non, mais en plus, ce qui était formidable, c'est qu'il y avait Kevin Schwantz qui était là, ton ancien coéquipier, mon ancien pilote. Voilà. Il y avait Kenny Douane. Roberts et Michael Doohan qui étaient là, et Danny Pedrosa également. Donc, on a eu vraiment un beau parterre de champions à Goodwood. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Wayne Rainey, on le connaît bien sûr, mais c'est un ancien triple champion du monde Yamaha qui avait été victime à Misano d'un accident et qui est resté paraplégique. Et donc il a repris le guidon, il l'avait déjà fait, Oui, mais là, bah, c'est toujours émouvant. Michel, un petit mot sur Wayne Rainey? ouais, bah écoute, moi c'est mes débuts dans le métier, donc j'ai beaucoup Premier de souvenirs sujet avec avec Wayne. lui. Voilà, j'ai connu ces deux derniers titres et j'ai vécu, j'étais à Misano le jour de cet horrible accident. Voilà, j'ai eu l'occasion d'aller chez lui en Californie. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui c'était un grand champion, mais à une autre époque. Et quand je vois aujourd'hui les pilotes parler de remercier leurs petits chiens, s'embrasser avec leurs enfants dans les bras, je regrette presque l'époque des Rainey et Schwantz où Edouard. c'était un peu d'autres histoires, quoi. Très bien, très bien. Alors, on va enchaîner tout de suite avec le carnet de notes du doc. On l'a interviewé ce matin et puis on va le retrouver peut-être tout à l'heure encore, le doc, la vedette de l'émission. Allez, on regarde le carnet de notes du doc. Bonjour Thomas pour Salut. cette émission post-Assen, donc qui marque la trêve, le début de la trêve. Est-ce que les notes sont plus indulgentes à l'approche des vacances? Non, pas du tout. On va commencer justement par la plus mauvaise, parce que Honda, ce week-end, ça a été très, très, très compliqué. Paul Espargaró a déclaré forfait, parce que suite à sa chute en Allemagne, il était encore diminué et il a préféré déclarer forfait.
Donc, on avait pas de remplaçant pour donc, du coup, le remplacer. On avait Stéphane Bradl qui remplace déjà Marc Marquez. Takaaki Nakagami qui a été le meilleur représentant des Honda ce week-end parce qu'il passe en Q2, mine de rien, mais il se qualifie quand même loin sur la grille. Il a eu un long lap à faire pendant la course. Donc, allez, on va mettre un petit point pour l'effort de Nakagami. Ouais. Mais sinon, ouais. C'est très compliqué. Il faut qu'il réagisse très rapidement. Ouais. Alors, une note du côté de KTM. Est-ce que tu as des notes à décerner du côté des pilotes KTM? Ouais, écoute, je vais plutôt me pencher sur Brad Binder parce que, mine de rien, Brad Binder, il enchaîne les top 10. Il occupe, j'ai pas les chiffres sur les yeux, vous revérifierez, mais il est très très proche au classement. Je crois qu'il est 5e ou 6e au classement général, mine de rien. Ouais. Et puis surtout, il était là en fait. S'il s'était pas fait voler la vedette dans le dernier virage, dans la dernière chicane par Aleix Espargaró, il faisait encore une belle performance. Donc, ouais, moi je lui mettrais un 7 parce que sans lui, KTM, ce serait vraiment très compliqué. Miguel Oliveira, on voit qu'il. Selon certaines conditions, il arrive à tirer son épingle du jeu, mais c'est pas un Brad Binder qui arrive à faire preuve de régularité comme il le fait aujourd'hui. Tu parlais de Aleix Espargaró. Tu as une note à décerner aux deux pilotes Aprilia? La semaine dernière, on me critiquait parce que j'avais mis une mauvaise note à Vinales parce qu'effectivement, il n'avait pas réussi à concrétiser suite à un problème mécanique. Pour les deux, parce que c'est pas la victoire, je vais leur mettre un 9. Mais oui, effectivement, c'est une très belle performance d'Aprilia. Il n'y a rien à dire. Je pense que vous allez revenir là-dessus. Vous en êtes déjà pas besoin d'être déjà. On en a déjà parlé, ouais. C'est vraiment très, très. Voilà, Aprilia concrétise et on voit que c'est des réguliers prétendants à la victoire et au podium. Une petite note aussi pour notre élève favori, Jack Miller. Écoute, Jack Miller, je lui mettrais un 7. Parce que encore une fois, par rapport à ce qui s'est passé justement avec Vinales durant les essais, il a écopé d'un long lap, donc il a dû faire un long lap, observer un long lap durant la course. Mais ça l'a pas empêché, comme au Sachsenring, de faire une belle remontée et de se battre encore une fois parmi top 5, top 6, top 7. Donc il a fait une très très belle course et ça reste, comme dirait Michel, un très bon lieutenant aussi pour Ducati. Une petite note avant la note finale pour les Français, une petite note pour Martin, Jorge Martin. Écoute, Martin a fait une très belle qualification, mais en course, ça ne s'est pas concrétisé. On voit que son retour de blessure, mais retour d'opération a encore du mal à porter ses fruits. Mais on voit qu'il y a quand même le potentiel sur un tour. Il est très rapide. Par contre, c'est vrai que sur la distance de la course, on voit qu'il est encore un petit peu diminué. Mais je pense que le temps va jouer à son avantage sur les 5 prochaines semaines pour qu'il puisse se remettre. Et on arrive surtout, là il y aura Silverstone, mais après on arrive en Autriche, là où il a gagné pour la première fois la saison passée. On passe aux Français pour finir ce carnet de notes avant qu'on te libère, Thomas. Merci d'avoir été disponible en tout cas. Donc une petite note pour Fabio. Bon, c'est sa première erreur, on va être indulgent, non? Oui, on va être indulgent. Écoute, il a fait un très beau week-end jusqu'à la course. Sans cette erreur, comme il le dit lui-même, d'erreur de débutant, on peut imaginer qu'il allait se battre pour le podium, voire la victoire. Mais bon, allez, on va lui mettre un 6, voilà, un petit peu plus que la moyenne. Je suis obligé de mettre une note un peu moindre que les autres, forcément, pour la hiérarchie. Mais ouais, ça reste. Il a fait un bon week-end. Et surtout, il repart de Dacen avec 21 points d'avance sur Aleix Espargaró. C'est quasiment une course d'avance. Bon, voilà, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ton opinion sur sa sanction? Écoute, je trouve ça dommage parce que c'est vrai que dans la hiérarchie des sanctions, celle-ci est, à mon avis, c'est vraiment un incident de course. Effectivement, il a impacté, affecté la course d'Aleix Espargaró, comme le dit le communiqué ils sont en course. Hein. Voilà, ils sont en course. Et puis surtout, Aleix Espargaró, il termine 4e au pied du podium, il marque de très gros points. Bon, voilà, il s'est puni tout seul en chutant, Fabio. Ouais, voilà. Ok. La note finale pour Joan Zarco. Alors, la note finale pour Joan Zarco, je vais lui mettre un 5, la moyenne, parce que lui, comme il le dit dans son débrief, il est mitigé, contrasté. Il dit qu'à la fois, il est déçu par cette course de se battre et de se fatiguer pour une 13e place, parce qu'il a carrément galéré pendant la course. Ouais. Mais à l'inverse, il dit, on est en salle de presse quand il nous en a parlé, il regardait le classement, il a dit, je suis 3e au classement général, aucune raison de s'inquiéter. Bon, voilà, je suis content de ce premier début de cette première partie de saison. On espère que, contrairement à l'année dernière, la trêve estivale ne va pas lui mettre la pression comme on a pu lui mettre
nous-mêmes en tant que journalistes ou autres, Ouais. sur, parce que l'année dernière, à ce moment-là de la saison, en tout cas à la mi-saison, il était deuxième du championnat. Et au retour de la trêve, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. Deuxième en 2021, troisième en 2022 à la pause, c'est plus que parfait. Très bien, exactement. Donc, bon, je mets 5 parce que voilà, c'est ce qu'il a dit. Mais sinon, sur le bilan du début de saison, allez, pour moi, Okay. un 10, quoi. Ouais, on aurait pu te demander les notes du début de saison, mais bon, c'est les notes d'Assen. Merci, merci Thomas, et bon En prie. repos. On se Merci. retrouve pour la reprise. Salut. Salut, salut. Voilà, avant les vacances scolaires, la distribution des notes et des bons points par le prof, par le doc. On va passer maintenant à la rubrique coup de cœur. Margot, on commence par toi pour le coup de cœur. Quel pilote ou quelle action de course, parce que c'est la dernière fois on a parlé d'action de course, t'a marqué? C'était compliqué de choisir avec ce beau Grand Prix quand même, mais bah, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais du coup ça irait pour Aprilia, pour Alexis Espargaro et en même temps pour Maverick Viñales. Bah, je vais rester sur là-dessus. Tu choisis pas, tu prends les deux. Je prends les deux, oui. Bon, Aprilia du coup. alors il n'y a plus beaucoup de place. Michel, est-ce que tu as un coup de cœur? Ouais, bah, j'ai un coup de cœur, j'ai déjà parlé. Pour moi, c'est le dé dernier dépassement d'Aleix Espargaro au freinage de la dernière chicane sur Binder et Miller. Voilà, on a eu plusieurs courses là où tout le monde nous expliquait que le MotoGP, il n'y a pas de spectacle, c'était mort à cause des appendices aérodynamiques, il n'y avait plus de dépassement, les courses étaient chiantes à mourir. Et bon, voilà, on a eu un pilote qui passe de la 15e à la 4e place, qui arrive à doubler deux pilotes dans le même virage. Donc voilà, je crois qu'il y a des jugements qu'il faut savoir réviser, quoi. Eric, un coup de cœur pour toi? C'est compliqué, on en a déjà beaucoup parlé à droite à gauche, mais c'est vrai que, comme disait Thomas, Brad Binder pour KTM, c'est quand même bien de souligner sa constance et sa performance. Je suis assez d'accord avec Michel sur la dernière phase de freinage d'Aleix Espargaro. Et en fait, moi, je voulais revenir sur le coup de gueule plutôt qu'un coup de cœur parce que, encore une fois, les décisions sont incohérentes et il serait vraiment temps qu'on applique un règlement clair, net et précis et que ça ne soit pas fait, je dirais, à la tête du client. Voilà, ça m'énerve. Ouais, alors on a Thomas, je crois, qui est réapparu par magie à la faveur Il est des partout. problèmes qui se passent à l'aéroport de Schiphol. On avait pris soin d'enregistrer tes chroniques, Thomas, avant cette émission, puisqu'il était prévu que tu ne sois pas avec nous. Mais comble du bonheur, tu es avec nous grâce aux grèves à l'aéroport d'Amsterdam. Voilà, Exactement. ça Juste grogne. une petite précision. Juste, j'ai dit que c'était le premier doublé Ducati. Non, je me suis trompé tout à l'heure dans les stats. Je l'admets, c'était le deuxième, puisqu'on a eu un doublé Ducati au Mans. Il faut s'en souvenir avec Bastianini et Miller. Alors, tu es revenu pour apporter Donc, mon cette coup de cœur. précision. Pour Est-ce que ce tu as un coup freinage, de cœur, je m'en vais Thomas? maintenant. Oui, le coup de cœur, ça va être Maverick Viñales pour moi, parce que un an après après son dernier podium à Assen, c'était justement un an jour pour jour quasiment, bah, il signe son premier podium, avec Aprilia. Voilà, il rejoint un club très fermé de pilotes MotoGP, donc depuis, comme je le disais tout à l'heure dans la chronique, à avoir accompli un tel exploit. Donc, bah, c'est assez remarquable pour être souligné. Et je pense qu'il ne faut pas l'enterrer trop tôt. Vignales, et peut-être qu'on le verra encore se battre pour le podium. Voilà. Alors, je ne sais pas si l'exercice va lui plaire, je ne sais pas s'il est toujours avec nous, mais Eric Mahé est notre invité depuis le début de cette émission. Eric, si tu es avec nous et que tu as un coup de cœur, c'est le moment de parler. Ah ben non, j'en ai pas. J'ai pas J'en fait la étais course, j'ai sûr. peut-être une oreille. Donc non, coup de cœur, allez, pour Fabio. Il fait du mieux qu'il Surprenant. peut, il est puni injustement. Voilà mon coup de cœur. Ouais, et puis parce qu'il a repris la piste aussi. Ouais, il reprend toujours la piste, Fabio, c'est un guerrier. J'ai jamais vu baisser les bras de sa vie. Je pense pas que ça arrivera demain. Tant que la moto roule, il roule. Donc ça, c'est annexe. Mais il a été sévèrement puni par sa chute. Ouais. Et il est puni à nouveau.
la prochaine course. Est-ce qu'il y a un autre pilote sur cette course que Fabio qui t'a fait forte impression? Bon, Bezzecchi, on voit qu'il a du talent et il l'a confirmé ce week-end. Après Aleix, oui, il est en bonne phase, il a confiance en lui, il ne fait pas d'erreur, il a une top moto. Et je me permettrais de dire qu'en ce moment, pour moi, la meilleure moto, c'est celle-ci. Elle progresse à chaque course. Le carénage qu'ils ont introduit aux essais de Barcelone sur l'effet de sol, il est très, très, très intéressant. Donc bravo à Aprilia, bravo à Aleix. Désolé de l'avoir touché et de lui avoir peut-être fait perdre la victoire, mais comme il l'a dit lui-même, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, très bien. Et alors, le mot de la fin pour le coup de cœur, je vais me le réserver pour le vainqueur. Voilà, puisque personne ne l'a pris, Francesco Bagnaia, malgré ses déconvenues récentes, a signé un chrono canon aux essais. Il a été impressionnant en course et c'est pour moi le coup de cœur de ce Grand Prix des Pays-Bas. Alors, ce n'est pas le Grand Prix des Pays-Bas, hein, c'est le TT-Assen. C'est la seule course qui ne porte pas le nom de Grand Prix du calendrier, mais c'est le TT, hein, du nom du Tourist Trophy original 1925. Si Thomas est avec nous. Et un circuit de un peu plus de 16 km. Ouais. 16, 5. À l'époque, exactement. Alors, on a passé en revue tout le monde autour de ce plateau et nos correspondants à distance. On a enregistré une chronique avec notre partenaire Paddock GP, André, habitué à scanner tout ce qui se passe dans la presse internationale, nous a fait sa revue de presse internationale. C'est la revue de presse de Paddock GP qu'on regarde tout de suite. Salut André, merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième débrief. On est déjà à la mi-saison. Tu as un œil attentif sur tout ce qui se passe dans la presse alentour internationale. Est-ce que tu as relevé quelque part chez nos confrères des articles intéressants? Alors, j'ai relevé deux choses qui est un peu la fin de l'aventure de Suzuki sur un article que Corsier di Moto a repris sur d'autres sites avec un entretien avec Shinichi Sahara, pardon. Qui est assez poignant, qui montre que le patron a appris dès le Grand Prix de Catalogne que c'était la fin de la part de ses patrons de Suzuki, mais qu'il a un peu gardé ça pour lui, parce que déjà, il a dû avaler la pilule pour l'annoncer le lendemain au test de Barcelone à ses troupes. Il dit qu'il n'a pas fondu en larmes, mais que quand même, ça lui a fait un choc, et qu'il essaie maintenant de terminer au mieux la saison, mais on sent que chez Suzuki, le coup est terrible, évidemment. Parce que déjà, l'enjeu n'est plus là. Les deux pilotes préparent leur avenir. C'est déjà quasiment fait. Parce qu'Alex Rins, qui veut l'entendre, qu'il ira chez LCR Honda, et il ira chez LCR Honda. D'ailleurs, entre parenthèses, il préfère une Honda de 2023 qui reste à parfaire plutôt qu'une Ducati 2022. C'est pour ça qu'il n'est pas allé chez Mazzini. Et qu'il a laissé donc la place à Alex Marquez, dont je reviendrai tout à l'heure. Après, il y a Johan Mir qui ne pipe mot, mais parce qu'il ne veut surtout pas faire capoter son plan de partir chez Repsol Honda. Et il y a toutes les chances qu'il gagne parce que c'est la seule écurie qui est capable de payer un champion du monde 2020. Et là, justement, parce qu'il a ce titre, il ira aux côtés de Marquez. Et enfin, les compétences commencent à partir parce que Manu Cazo, l'Argentin qui habite en Espagne, qui est le chef mécanicien actuel d'Alex Rins, va rejoindre Vinales chez Aprilia, et ce sont des retrouvailles parce qu'il a travaillé avec Vinales du temps de Suzuki et il a gagné même avec lui. C'est un peu poignant là-dessus, c'est la fin de Suzuki. Alors, Shinichi Sahara dit que la compétition reste dans l'ADN de Suzuki, mais en même temps, en disant ça, il est inquiétant parce qu'il parle des motos électriques. Rien contre, ni pour ni contre, contre les motos électriques, mais étant de la classe 64, ce n'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement ou qui me transcende particulièrement. D'accord, tu parlais d'Alex Marquez. Oui, alors Alex Marquez, lui, il a pris son destin en main. Il a forcé, enfin, il a précipité un peu les choses en signant et en faisant annoncer qu'il partait chez Gresini Ducati. C'est une sensation. C'est une sensation pourquoi, et surtout en Italie. Parce qu'évidemment, qui dit Alex Marquez dit derrière Marc Marquez. Et déjà, la presse italienne est persuadée, on va dire de JP1 à toute la presse italienne, hein, qui est persuadée qu'Alex Marquez est là pour préparer le terrain de l'arrivée de Marc Marquez après 2024. Le scénario se tient en plus, hein. C'est que Marc Marquez, quand il va revenir, déjà il aura 30 ans, il faut absolument qu'il empoutre les titres. Et pour ça, il lui faut une moto hyper au point, et la Ducati l'est.
Ça lui facilitera certainement la chose si en 2025 il arrive chez Ducati. Le fait que la Ducati soit une bonne moto, Alex Marquez insiste dessus, quitte à faire encore du mal à Honda, parce qu'il dit bien que Honda est une usine qui a perdu son chemin. Il ajoute, quoi de mieux de se relancer que de prendre une Ducati. Quand on est encore pilote Honda et qu'on a comme patron Alberto Puig, je pense qu'il y aura de l'ambiance à la rentrée. Une dernière question qui concerne directement Paddock GP. Quel est l'article qui vous a surpris en audience ce week-end? L'article qui a très très bien marché, c'est quand Fabio Quartararo s'est étonné que Johann Zarco, et c'était avant le Grand Prix des Pays-Bas, c'était dans la conférence de presse de jeudi, étonné que Johann Zarco n'ait pas été calculé pour être sur la Ducati rouge en 2024, parce qu'elle ira soit à Bastianini, soit à Martin, quoi qu'il arrive. Voilà, et ça a bien marché, ce qui montre bien l'engouement aussi du MotoGP en France, ce dont on peut se féliciter. Et on l'a vu aussi encore dans les tribunes pleines d'Assen, qui étaient aussi bondées que celles du Sarsenring. Et donc, la discipline vit de belles heures, quoi que certains en disent. On peut y dépasser, les motos sont belles et l'attention est là, et donc c'est parfait. Merci André, merci pour cette chronique et puis bon courage pour la suite, parce que c'est pour les pilotes c'est la trêve, mais pas pour vous. Ah non, jamais. Merci David de ce bon message et puis salutations à l'équipe. Voilà, il y avait de la moto électrique, il en a glissé un mot, André, de Paddock GP sur la moto électrique. Il y avait une course de moto électrique ce week-end à Assen, remportée par Eric Granado, le pilote brésilien qui participe à ce championnat depuis ses débuts. Michel, tu es toujours avec nous, on va te libérer dans peu de temps, hein, parce que tu vas tenter de reprendre un avion, me semble-t-il. Ouais, non, mais on a un peu de marge. Quelques heures. Apparemment, toujours pas décidé à partir de cet avion, donc ouais. On va rester ensemble. Tu cherches un appart aux Pays-Bas, sinon. Et André nous a parlé de Suzuki. Suzuki, je crois que tu as discuté avec Livio Suppo ce week-end. Oui, j'ai discuté avec Livio qui m'a un peu laissé comprendre que pour l'instant, il y a Manu Cazaux qui va rejoindre Vinales, mais pour l'instant, il tient un peu son équipe au chaud parce qu'il y a quand même un projet qui est un peu dans les tiroirs. Allez, dis-nous tout. Projet dans lequel Carmelo Ezpeleta est très impliqué, qui serait d'arriver à refourguer l'équipe Suzuki et voir les motos à BMW. Donc, voilà, il y a des réunions qui se passent. Pour l'instant, c'est loin d'être acté, mais en tout cas, il y a une volonté. Alors, je vois qu'Eric tique un peu, mais en tout cas, c'est… Non, ça serait très bien. Ça serait très bien pour la grille, Michel, au contraire. Non, Eric Mahé. Ah, pardon. Eric Mahé, je le vois se lever. non, mais… Alors là, mélanger des Allemands avec des Japonais… C'est ce que j'allais dire. Ça va pas être simple. Ouais, parce que pour rebondir sur ce que vient de dire Eric, si on regarde toutes les expériences qu'ont fait BMW sur les catégories, ils sont toujours arrivés avec des a priori, des préjugés, des façons de travailler. Et comme le dit Eric, mélanger des Allemands et des Japonais, ça va pas être simple. En tout cas, c'est une hypothèse qui existe, qui est réelle. Et voilà, en tout cas, c'est sûr que Carmelo Ezpeleta. Je fais une petite rectification. Je suppose que le projet, c'est les Européens du team Suzuki qui seraient là pour faire le travail sur place et des ingénieurs BMW. J'ai dit un peu une connerie, sincèrement. Mais mettre ça en place dans un temps limité, ça me paraît quand même compliqué. Oui, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est loin d'être fait. Mais enfin, en tout cas, il y a... Voilà, c'est un projet qui se discute, que pour lequel Ezpeleta pousse énormément parce qu'il aimerait quand même avoir, je pense que ça ne le réjouit pas d'avoir perdu un constructeur, d'avoir Yamaha qui n'aura plus que deux motos l'année prochaine, même si c'est que temporaire. Voilà, je pense que il essaie de trouver des solutions et ça pourrait en être une. Et puis après, moi j'aime beaucoup Carmelo parce qu'il y a aussi une dimension sociale. On n'en parle pas souvent, mais il y a une trentaine ou une quarantaine de mecs qui se retrouvent au chômage. Donc s'il arrive à faire rentrer BMW, à garder le staff opérationnel circuit Suzuki, il y a un aspect social, c'est-à-dire que ces gens-là auront un travail.
Ouais, parce qu'il n'y a pas que les pilotes, hein, effectivement, il y a tout l'environnement technique et managérial autour de ces équipes. Ça représente quoi par team à peu près, Michel, Eric, une trentaine de personnes, c'est ce que tu disais, hein. Ouais, si on met l'hospitality et tout, 40-50. Après, entre 20 et 50 personnes. Ouais. C'est pas négligeable, effectivement. Merci pour cette précision, Michel, et cette information qui est un peu une exclusivité. On va passer maintenant au zoom technique où on va parler de pneumatiques. Michel, il a plu à Hassen lors de la première séance d'essai libre. Ça a créé une sorte de mini-polémique pour commencer le week-end sur la praticabilité du circuit dans ces conditions avec l'aquaplaning. Les pneus ont été mis à rude épreuve. Est-ce que Michelin a été mis en difficulté? Alors, c'est Thomas qui parle. Ah, c'est Thomas. Vas-y, Thomas. On a changé, c'est le zoom technique, donc du coup, il m'a laissé la place. Non, en fait, on pensait plutôt parler des pneus, plutôt d'une façon générale. C'est sur la polémique qui avait traîné un petit peu aux alentours du Grand Prix de France, Grand Prix d'Espagne, tu sais. Donc, nous, on a enquêté un petit peu ce week-end. On a interviewé notamment Matteo Flamini, qui est le chef mécanicien de Marco Bezzecchi et qui surtout a été le data guy de Valentino Rossi pendant toute sa carrière en MotoGP. Donc il a une expérience des pneus et un recul sur tout ça, et il nous a expliqué un peu tous ces détenants et aboutissants. Donc je ne sais pas si tu veux que je détaille un petit peu. Bien sûr. Ou est-ce que tu veux que je parle exclusivement du Grand Prix des Pays-Bas? Non, bien sûr. Donne-nous toutes tes informations, Thomas. En fait, on a entendu parler, pour remettre les choses au clair, on a entendu parler de ce gentleman agreement en fait, entre la FIM, la Dorna, les constructeurs et Michelin concernant la pression des pneus. En fait, il y a une pression des pneus qui est recommandée par Michelin. Hein. Il y a surtout une pression minimum à respecter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en dessous sinon le pneu a trop de mouvement et surtout ça l'endommage. Mais il y a une pression minimum d'usage, une pression que recommande Michelin. Et ben effectivement, tous les constructeurs jouent avec ce minimum-là parce que, à cause de ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Michel a souligné tout à l'heure, le fait qu'il y ait en fait cette montée en pression quand on est en paquet. Quand on est tout seul, ben on n'a pas cette montée en pression et on peut gérer beaucoup plus facilement ses pneus. Et surtout, ce qui se passe, c'est que tous les constructeurs, en tout cas tous les teams, ont des capteurs de pression différents. Et donc c'est complètement, c'est difficile en fait de respecter une pression pour chacun des teams, et surtout c'est difficile de dire à un team, bah non, t'es en dessous de cette pression là, et de dire à un autre, bah non, t'es au-dessus, et ainsi de suite, parce que le capteur n'est pas le même. Donc c'est pour ça qu'il y a des travaux qui ont été initiés pour que l'année prochaine il y ait en fait un capteur de pression qui soit pour tous les teams, et un peu ce qui se passe en moto actuellement. Et voilà, maintenant plus de marge d'erreur. Si on est en dessous de la pression à la fin de la course, il y a un problème, et donc là il y aura des pénalités qui s'en suivront. Mais pourquoi les teams jouent un peu avec tout ça, bah, c'est exactement ce que je disais là il y a deux secondes, c'est que quand tu es en paquet, quand un pilote sait qu'il va rouler en paquet, et bah, effectivement on va essayer de jouer un petit peu, avoir une pression moindre sur le pneu avant, et ensuite bah, quand on sait qu'on va partir en pole position et qu'on a potentiellement plus de chances de partir seul, du coup on va essayer de faire en sorte de partir avec une pression normale, et donc il n'y aura pas de soucis pendant la course. Et donc là où Matteo Flamini a été assez intéressant dans l'interview, c'est que bah, aujourd'hui c'est vraiment un rôle, une tâche à part entière du chef mécanicien, c'est-à-dire qu'en fait ils étudient pendant toutes les séances le comportement du pneu pour voir comment ça se passe sur un circuit donné, bah, notamment à Seine, mais surtout au Sachsenring comme il le disait, avec bah, justement tous ces virages à gauche qui peuvent poser problème selon la température, selon le fait qu'on roule en paquet ou autre, le style de pilotage du pilote, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une tâche à part entière aujourd'hui du chef mécanicien pour gérer justement ce pneu avant. À l'arrière, j'y reviendrai peut-être dans un autre zoom technique, mais à l'arrière, c'est beaucoup moins problématique, même s'il y a d'autres données qui rentrent en jeu. Voilà. Merci Thomas pour ces précisions extrêmement techniques sur les pneumatiques. C'est toujours très, très délicat. Et puis Michelin a annoncé que l'année prochaine, la dotation serait différente. Il n'y aurait plus que deux choix possibles
au niveau des pneus, ils n'ont pas un tendre, un médium et un hard. Ouais. Donc ils réduisent aussi le... Après, c'est sur de la... Vas-y. Après, c'est la volonté aussi de Michelin. Michelin, en fait, il y a beaucoup de travaux initiés par Michelin, pour en avoir interviewé par Piero Taramasso, sur le fait de rendre un peu le sport moto et les sports mécaniques et un peu plus vert, entre guillemets, ouais, donc éviter d'utiliser des pneus. C'est pour ça que là, aujourd'hui, c'est ça. Non, mais tu vois, cette saison, ça a été problématique, notamment en Allemagne, il y a une semaine. C'est que les pneus préchauffés, on entend souvent parler des pneus préchauffés, cette saison, en fait, contrairement aux saisons passées. Un pilote qui, un team qui utilise et qui chauffe des pneus et qui les utilise pas pendant le week-end, ils leur sont réattribués le week-end d'après. Ouais. Donc en fait, en gros, plus c'est terminé le fait de jouer et de chauffer 15 000 pneus et de savoir que le week-end d'après, ce seront pas les mêmes qu'on va récupérer, tu vois. Mmh. Donc là, il y a vraiment cette nuance du règlement qui a été faite cette saison pour justement éviter de partir dans des chauffes de pneus. Un peu abracadabrantesque, on va dire. Merci pour toutes ces précisions techniques. C'est le moment de parler de Moto 2 et de Moto 3 avec toi, Margot. Par quoi on commence ? Moto 3. Moto 3, oui. Alors, vas-y, avec un nouveau vainqueur. Ouais, exactement. Exactement, un nouveau vainqueur, Ayumu Sasaki, le Crazy Boy, comme on peut l'appeler. C'était sa première victoire, du coup, en Moto 3. Ça avait un petit peu plus de saveur, parce que, pour rappel, il avait chuté au Mugello, et c'était la deuxième course qu'il reprenait, du coup, depuis sa chute, parce qu'il s'était cassé les deux clavicules. Et la semaine dernière, en Allemagne, au Sachsenring, il avait encore des douleurs, et là, il a su passer outre et remporter donc sa première victoire. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir un leader qui change régulièrement en Moto 3, et là c'était pas vraiment le cas, parce que dès le premier virage, en fait, il s'est retrouvé en troisième position. Et donc après, le Japonais était quand même dans le groupe de tête. Il a réalisé une course assez intelligente. En plus, il avait aussi choisi le bon pneu, qui était un pneu soft, et qui l'a aidé à remporter cette course. Et c'est dans les derniers tours où il a attaqué Izan Guevara. Et on a eu un beau duel aussi dans ces deux derniers tours. Donc en plus, une victoire sympa, parce que c'était pour l'anniversaire de Max Biaggi. Fabio Quartararo est aussi venu le féliciter dans le parc fermé. Donc ça tombe bien, c'est la pause. Ça va lui permettre de se rétablir au mieux de ses blessures et de mieux revenir aussi pour la deuxième partie de saison. Et en plus, en confiance, maintenant qu'il a sa première victoire dans la catégorie. Derrière lui, les deux pilotes Aspar sur le podium. Izan Guevara qui était leader de la course une bonne partie, enfin, pratiquement à la totalité, sauf qu'il s'est écroulé à la fin, il est redescendu à la quatrième place. Et donc voilà, il perd trois positions. Néanmoins, il réussit à monter sur la deuxième marche du podium. Et c'est surtout qu'au final, bon, sans compter le Mugello, et ben depuis cinq courses, il est devant son coéquipier en termes de résultats. Alors pas encore au championnat, c'est très serré. Mais voilà, il est meilleur maintenant, parce que d'ailleurs pour Sergio Garcia, pardon, le numéro 11, c'était un week-end un peu plus compliqué. Il partait de la 18e position, il a pris un très bon départ, parce qu'il a réussi à remonter du coup devant pour monter sur la troisième marche du podium. Mais le rythme était très 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 élevé pour lui. Il a eu du mal à faire la jonction. Il l'a faite, comme je vous l'ai dit. Donc là, c'est le quatrième doublé pour le team Aspar. À voir pour le retour des vacances comment ça va se passer entre les deux. Mais j'ai hâte de voir ça. Bon, puis on va parler d'un petit nouveau qui se fait remarquer, pas forcément dans le bon sens du terme, David Munoz. C'est un petit peu compliqué. Il s'est peut-être pas trop fait des amis ce week-end, on va dire. Parce que, donc, pour rappel, c'est sa quatrième course en Moto 3. Donc il était très très agressif, c'est simple. Donc il est tout le temps dans le groupe de tête. C'est agréable de voir un jeune pilote comme ça arriver et être directement en tête de course. Mais là, donc oui, il n'hésitait pas à doubler les pilotes devant lui. Mais donc, Denis Foggia est tombé à la fin de la course. Il met ça sur le compte d'une erreur, enfin, de David Munoz, qui l'aurait un peu trop écarté. Mais bon, il a un peu aussi remis les gaz sur les vibreurs. Là, par contre, pour Romain Masia, qui a chuté, c'était totalement de la faute de David Munoz, qui s'est quand même excusé. Après, c'est le plus jeune pilote du paddock. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais bon, c'est vrai qu'il a... Bon. Un peu saccager la course de Romain Masia. Il va se calmer avec l'expérience. Allez, deux points sur notre Français. Exactement. Lorenzo Felon. Les points de la 13e place pour Lorenzo Felon. Donc il est directement aussi allé en Q2. Maintenant, il commence à être habitué à directement passer dans cette qualification. Et donc, ce n'était pas forcément une course super simple pour lui, mais devant, il y a des pilotes qui sont tombés. Donc il a su saisir l'opportunité et empocher donc les points de la 13e place.
On fait un point au championnat ? Oui, troisième, il y a trois points, pardon, qui séparent, donc Izan Guevara et Sergio Garcia. Sergio Garcia, toujours leader. Donc une première partie de saison assez... donc c'était Sergio Garcia qui est leader toujours, mais voilà, le titre devrait se jouer entre les deux pilotes à Spa, comme je l'ai déjà dit. Bon, on passe au Moto2 maintenant ? Exactement, une course qui changeait de d'habitude parce que c'était avec un groupe de tête et là il y avait beaucoup de dépassements, beaucoup de passes d'armes. Et donc c'est Augusto Fernandez qui s'impose une deuxième fois de suite en Moto2. Il partait de la troisième ligne, donc de la neuvième position. Donc lui aussi a fait une belle remontée, un beau départ. Et donc il y avait beaucoup de rythme. Les pilotes allaient très très vite en Moto2. Augusto Fernandez a expliqué avoir analysé le rythme de chacun. Et après, donc, les dépasser. Et ça, donc, comme je l'ai dit, oui, ça roulait très fort. Et donc, il a tenté à la fin aussi de partir, de s'éloigner un peu de Ayugura qui le suivait. On va en parler juste après, juste derrière. Mais bon, il s'impose quand même avec 6 dixièmes. Sa troisième victoire de la saison, donc avant au Saxon Ring et aussi au Mans. Il y a une belle figure au parc fermé, dans le parc fermé. Il a failli casser les jambes de son mécanicien. Là, il n'y pouvait rien parce que c'était le tapis qui était trempé. Il arrive un peu vite quand même, hein, quand on revoit les images. Oui, mais le tapis était pas mal trempé. Ça arrive un peu souvent, hein, ce genre de cabriole. C'était Sergio Garcia, hein. Les autres avaient réussi à s'arrêter quand même, non ? Ah là, la moto, elle a fait... Tu parlais d'Ayogura, on revient dessus un petit peu parce qu'il a fait une belle remontée. Comme c'est une pré-Espargaro, on pourrait dire, parce que lui aussi, il était... Donc, à la base, il partait plutôt bien. Il partait de la quatrième place, sauf que dans le deuxième tour, il a fait un high side, mais il l'a rattrapé. Et il s'est retrouvé à la 15e place, à près de 5 secondes pratiquement du leader. Donc il a commencé une remontée assez spectaculaire aussi. Pourtant, son pneu arrière ne lui offrait pas assez d'adhérence et il a commencé à s'améliorer, ce qui lui a permis de remonter. Et c'est simple, il faisait une bouchée, il n'en a fait qu'une seule bouchée des pilotes devant lui. Il les dépassait un à un et donc comme un peu d'habitude, Ayugura mitigé à la fin de sa course. Donc il était content de son podium, il était déçu de ses premiers tours et on a un peu l'impression que ça prenait le dessus. Mais bon, c'est quand même une belle remontée et une belle opération aussi au championnat toujours. Ouais, et les leaders ont chuté. Les leaders ont chuté. Et d'ailleurs, j'ai oublié juste une petite chose, c'est que Jack Dixon signe son deuxième podium, donc deuxième de la saison, et deuxième aussi en Moto2. Et oui, les leaders ont chuté. Et Cameron Bobier, donc lui, n'était pas leader, mais il a chuté, et sachant qu'il revenait devant. Et avec tout ça, on fait un petit point au classement. Oui, et j'ai une information du doc, c'est le top 3 le plus serré depuis la création du Moto2 après 11 courses, parce que c'est simple, Chiesi Nogueti et Augusto Fernandez sont à égalité de points, et juste derrière, c'est Ayugura avec un point. Donc, gros retour aussi après les vacances. Et puis après les vacances, bon, on souhaite un bon rétablissement aussi pendant cette trêve hivernale à Pedro Acosta. Opération qui s'est bien passée aussi d'ailleurs. Une opération qui s'est bien passée pour le jeune pilote Moto2. C'est l'heure de passer au Sunday Race Recap puisqu'il y avait des courses en France, Eric.
On va terminer l'émission, une longue émission, mais que du plaisir, puisque il y a la trêve. Après, on va se quitter pour quelques semaines. On était avec Eric Mahé. Je ne sais pas si Eric Mahé est toujours là. Je ne sais pas si Michel Turcot est toujours avec nous, parce qu'on voudrait quelques petites infos indiscrètes sur les transferts pour finir l'émission. Je suis là. Ah. Alors, Michel, c'est à toi. Ouais, non, moi j'aimerais, parce que bon, moi j'ai pris un peu l'émission à l'arrache pour les raisons que vous avez dû évoquer. Donc j'ai une question. On a parlé de la chute de Fabio, mais on n'a pas parlé de la deuxième chute de Fabio. Alors moi, ce que j'aimerais te demander, Eric, parce que hier soir, ce que nous a expliqué Fabio, et j'ai pas très très bien compris, il nous a dit que c'est son équipe qui lui a demandé de repartir, en expliquant que si jamais il y a la pluie qui s'y mettait, il y avait peut-être moyen d'aller récupérer des points, ce qui m'a semblé un peu étrange. Et au final, il chute vraisemblablement parce qu'il y a eu le capteur de l'antipatinage a été endommagé. Donc il y a pas. Alors c'est peut-être une question un peu difficile pour toi, mais il y a pas une erreur de l'équipe là derrière. Ouais, c'est une question à laquelle il a répondu en début d'émission. Mais Eric, je te laisse répéter. Non, t'inquiète pas, on va reformuler tout ça. en gros, il n'y a pas d'erreur dans l'équipe. Une équipe, elle est là pour imaginer le meilleur. OK ? Donc, effectivement, Fabio était déjà presque à un tour. Il s'arrête, il est à un tour, peut-être deux, je ne m'en rappelle plus. Mais s'il pleut, et si cinq ou six pilotes tombent, on marque trois points. Et ils étaient dans une stratégie très cartésienne, c'est-à-dire on ne sait jamais ce qui peut arriver, il y a peut-être 3-4 points à prendre. C'est juste ça. Et après, le capteur n'a pas suffi à expliquer la chute de Fabio. Effectivement, il y avait un mini dérèglement du traction control. Par contre, le tour de rentrée au stand qui était lent, parce que Fabio, s'arrêtant, il a fait le tour de rentrée au stand lent. Il y est resté 20 secondes, plus mise en régime, le paquet qui arrive, il a encore plus refroidi son pneu. Donc en bref, le pneu était froid, c'est principalement ça la cause de la deuxième chute de Fabio. Merci Eric pour ces explications complémentaires. Michel, Mercato, on vient de parler du Mercato. Ouais, ouais. Pour moi, la seule inconnue qui reste, c'est Vietti Fernandez. Ah. Pour moi, tout est réglé. Après, tu as Razan Razali qui dit on s'en fout d'un Italien. Contrario de ça, je pense que Priya aimerait bien un Italien. Je pense que c'est un espèce de bloc pour synchroniser les équations financières. Je suis là, je paye moins cher. Ah, c'est le mien, je paye plus cher. Je suppose que c'est ça. Tu connais ces tractations intenses. Cette période de tractation, elle est finie pour toi, Eric. Elle est finie, cette période de tractation de ton côté, pour Fabio, en tout cas. Non, il y a beaucoup de taf autour, c'est-à-dire les sponsors personnels, etc. Donc le contrat team, OK, c'est réglé. Exact. D'accord, très bien. Eric. Oui. Une dernière chose, Eric, ça voudrait dire qu'un des deux pilotes Tech 3 se retrouve sur le carreau, donc Garner ou Fernandez ? Comment tu vois, c'est quoi ton avis sur la question ? Bah pour moi, on est dans un truc purement égo. C'est-à-dire, il y a certaines personnes de KTM, ils pensent plus avec leur égo qu'avec leur cerveau. Il y a une espèce de dette de l'époque de Fernandez qui avait craché un peu dans la soupe, etc. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que Razlan tend une perche à KTM. Si vous me le laissez gratos, on est bon. Et j'ai l'impression que le KTM, c'est du futur Fernandez. C'est-à-dire, il y a eu trop de problèmes, on ne lui fera pas de cadeau. C'est mon impression. Ouais. C'est une impression, hein, ce n'est pas de l'information. Très bien, très bien. Merci Eric. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cette longue émission. Je crois qu'on a battu notre record sur After Sunday, 1h20, record battu. Ouais, c'est confirmé. Eric dans l'oreillette me confirme que c'est battu. Merci Eric d'être resté avec nous jusqu'au bout. Michel, une dernière information sur les transferts, peut-être pour boucler l'émission ? Non, mais je crois qu'Eric a fait le job, hein, il nous a tout expliqué. La dernière inconnue, effectivement, c'est la deuxième place dans l'équipe Aprilia RNF, donc qui va se jouer entre vraisemblablement Vietti et Raoul Fernandez.
D'accord, alors on vous fera un petit résumé de toute cette grille de transfert sur la page Facebook de After Sunday. Et eh bien, il va falloir liker cette page pour espérer gagner un slider dédicacé de Peko Banyaya. C'est ce que tu nous as ramené de Mandalaika, Michel, avant le début de la saison. Et c'est l'occasion de le faire gagner puisque Peko Banyaya a remporté cette course, ce TT Assen qui vient de s'achever et qui vient de marquer la pause estivale. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette longue émission. Merci Eric Mahé d'avoir été avec nous. Merci Michel, merci Thomas Morcellino qui est peut-être déjà parti chercher son avion. Et puis merci Margot d'être venue sur ce plateau. Merci Eric et on se rejoint à la rentrée. À bientôt, salut à tous.